Dragon's Dogma 2 en 90 secondes. Les monstres. Les monstres de ce monde sont aussi vifs et pleins de vie que les terres qui les entourent. Leur comportement diffère en fonction de la région qu'ils habitent. Et certains possèdent l'intelligence de travailler en groupe et d'attaquer ensemble. Le Sphinx se plaît à poser des énigmes. Le Dullahan est un chevalier spectral sans tête. Vous rencontrerez également la Gorgone, des golems, des griffons, des draques et le géant de bronze, Talos. Dans ce monde fantastique immersif, vous serez confronté à diverses créatures dans des batailles qui mettront à l'épreuve votre créativité. Grimpez sur le dos de monstres, utilisez le terrain et même d'autres monstres. Essayez, posez-vous la question, cela fonctionnera-t-il? Est-ce que je peux le faire? Lorsqu'un monstre colossal se dresse sur votre chemin, tirerez-vous sur ses points faibles à distance? Ou bien grimperez-vous sur son dos afin de les attaquer directement? Déséquilibrer les ennemis en endommageant leurs jambes est également efficace. Vous pouvez aussi vous concentrer sur le soutien de vos pions, en les soignant et en améliorant leurs stats pendant qu'ils attaquent. La classe que vous choisissez, les pions avec lesquels vous voyagez et les possibilités qu'offrent le terrain et les objets qui vous entourent vous permettront d'affronter les monstres avec une flexibilité sans précédent. Un monde fantastique, dense à explorer, vous attend dans Dragon's Dogma 2. Explorez un monde vivant, débordant de découvertes qui n'attendent que vous.